sera vendredi au stade, ça va être le feu, je pense. Guichet fermé, on les attend de pied ferme. Puis on va être champion du monde. Puis on va être champion du monde, je pense. Ça, c'est vrai. Bon, le patou, t'es chaud ? Ouais, ouais, je suis chaud, mais la circulation. Oh là là, le maison. Ouais. Ouais, l'ambiance, elle est folle. Ça va pour le moment. C'est plein à craquer. Hein.
Yeah.
avec le capitaine Charles Olivon. Je sais pas. Tu joues pas à Pau ? Je crois ou je sais plus. Alors, t'en passes quoi ? Ouais, c'est pas mal. Bon, deux essais déjà. Ouais,
Bon, elle passe. Et ça passe entre les pairs. Voilà notre expert sur cette action. T'en penses quoi? Rien du tout. Attends, avant tu rafutais. Pourtant il a sifflé. Hein. Oh, il a les yeux, de toute façon on avait beaucoup de rouge et de jaune hein, dans cette Coupe du Monde pour ça. Bravo. Bon, toi l'ancien pilier, avis sur cette mêlée. C'est pas beau, hein les... Et l'introduction nulle. Ouais. On voit Antonio. Il va les enfoncer. Un essai, c'est le bonus. Ouais. Bon début de match, hein. À part la mêlée où on est un peu. Pourtant, on a le plus gros pack dans la deuxième ligne, ça. Trop ledge. Et ça passe au premier. Déjà les 4 ils avaient vu. Non là c'est le 4e. 5e. Ah bah s'il le dit. Bon, priez, c'est fini. Ouais normalement. On retrouve un 96-0. Oh ils vont pas forcément. Toi qui étais là face au All Black. Non, faut pas qu'ils forcent. On fait rentrer les remplaçants. Je vais gérer même. Juste cette pénalité, ça va passer entre les pairs.
Bon, Patou, tu t'étais trompé, c'est bien, 4 essais, c'est la mi-temps. Qu'est-ce que tu nous penses de cette première mi-temps? Qu'est-ce que tu penses de la première mi-temps? Pas mal, mais c'est pas un petit temps. La mêlée, hein, ça. Deuxième ligne, c'est trop ledge. Au repos maintenant. Les amis, c'est la mi-temps à Décines. 31 à 0 pour le 15 de France. On se retrouve au coup d'envoi de la seconde période. A tout de suite. Allez, un maximum de bruit pour cette seconde période. Et ça passe entre les pairs. Bravo. Allez, c'est du chapitre. Dans son jardin. Hey!
Premier essai italien depuis près de deux matchs. Alors, événement. Pour être fair play, maintenant ils n'ont plus que les pizzas à manger. Alors aussi, s'il n'y avait pas mille couilles, il y avait ça. Bon, mais ça c'est rouge, hein, normalement. Ah, il a fait le tour. Événement, les amis, les Italiens ont marqué après deux matchs sans marquer. Voilà, là, quel événement. Maintenant, c'est l'heure de manger des pizzas. Allez, retournez manger vos pizzas. Mais c'est pour les 60 pions. C'est ce que j'avais prévu. À la maison, les Italiens. Non, mais t'aurais dû mettre à la maison. Je ne sais pas.